Bonjour au micro. Bonjour au micro. Dis bonjour au micro. Bonjour au micro. Dis bonjour au micro. Bonjour au micro. Tiens. Tiens, le gars. Allez, ça commence. Ça commence pas. T'es en retard, il est 11h, Joachim. Bon, tu sais que j'installe. Moi, le petit, là. Lequel? Il y a un grand et un petit. Un petit. Combien? 1m80. Alors, je vais demander votre taille. Les gants, on arrive toujours à s'en sortir. C'est plus les plus petits. Après, quand t'as plus rien, y'a plus rien. Hein. Même avec des cales, de temps en temps, ça tente, on fait pas les pédales. Hein. Ah, une voiture de course, hein. Qu'est-ce qu'il y a que là-bas? La chaussure, alors ce qu'on fait, j'ai des grands pieds aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, attention, parce que les pédales sont très rapprochées. Tu changes du combien? Donc, l'accélérateur, le frein et l'embrayage. Ici, le contact. Là, le démarreur. Si jamais vous entendez un bruit suspect dans la voiture, coupe le contact et on se range sur le côté. D'accord? Pour démarrer, donc, on appuie sur le contact, après on appuie sur l'embrayage, on appuie sur le démarreur et un petit coup d'accélérateur pour pouvoir lancer la machine. D'accord? La boîte de vitesse. C'est une boîte de vitesse en rage traditionnelle. Donc on passe pas les vitesses quand la voiture est arrêtée pour éviter de casser la boîte. C'est première, seconde, troisième et quatrième. Après vous n'aurez plus qu'à jouer en troisième et en quatrième. Au niveau de la marche arrière, donc là avec les grandes jambes, hop, le petit clap et derrière. D'accord? Normalement il n'y a pas besoin de la marche arrière. Je dis bien normalement. Si jamais vous devez sortir rapidement de la voiture, donc là c'est à droite ou à gauche et tout s'en va. Le volant. Voilà. Hop. Donc là, sur la piste, attention, elle est très trempée. Là les pneus ils retombent en température, le pilote est totalement froid. On prend un tour ou deux pour pouvoir se faire un peu à tout l'environnement externe. Faites attention avec vos petits camarades, si vous allez partir à 4. Ouais, vous allez partir à 4. Dès que vous rattrapez à quelqu'un, gardez une distance de sécurité, environ 3-4 voitures. Pouvoir réagir en cas de problème, il y a le devoir de vous freiner, partir à droite. On va sûrement intervenir pour la piste. Donc dès que vous avez un virage, on a le virage suivant. Si on est là, vous ralentissez. C'est parti du problème, et une fois que c'est passé, vous pouvez accélérer. Ensuite, les livreurs, on les évite. Ils sont hauts, ils sont gorgés d'eau. Donc ils sont hauts, ils vont nous envoyer très loin, ils vont abîmer la voiture. Et ils sont gorgés d'eau, donc vous allez arriver avec 4 pneus chauds sur le vibreur qui est gorgé d'eau et votre pneu il va être tout froid. Et le virage suivant, c'est le tête à queue. Quand on freine en ligne droite, jamais de côté. Vous allez partir aussi en tête à queue. On freine en ligne droite, on freine bien la voiture et une fois que la voiture est bien arrêtée, on rétrograde. Sinon vous allez arriver en sur-régime et la voiture va être nerveuse. Et pour passer le virage, ça va être compliqué aussi. Et quand on réaccélère, en ligne droite pareil. Là on tourne bien, on n'embarque pas les pneus.
qu'il passe. Non, non. Bon, petit commentaire pour la caméra. Une belle expérience, une belle séance. Attends, je vais faire le photo parce que là, tu as des images. Je crée des images. Il me fait. À Villa Charlotte. Je vais faire le photo. Je vais faire le photo.